Merci Yann, qui est à l'entrée donc de cette super soirée. Merci Yann, de cette super soirée du Luna Boxing. Mais bon, Yann, il est bien sympa, mais je préfère m'entourer d'Alison et de Margot qui font partie des Pop Home Girls pour cette fabuleuse soirée du Luna Boxing numéro 13. Margot, dis-moi un peu, est-ce que tu te sens motivée pour mettre l'ambiance ce soir? Oui, c'est avec impatience qu'on attend cette soirée. Depuis le temps qu'on la prépare, les chorés sont prêtes, les entrées sont prêtes. Ben, on n'a plus qu'à attendre les boxeurs, le public, et voilà, on va tout donner pour que cette soirée se passe à merveille et satisfaire le public. Voilà, très bien Margot. Et alors, tu parlais des boxeurs, c'est vrai qu'on a pu le voir pendant la pesée, que les boxeurs sont vraiment motivés et ils veulent vraiment en finir. Alison, pareil aussi, motivée pour mettre l'ambiance ce soir? Oui aussi, puis avec le sourire, et puis on n'a plus qu'à y aller. Alors voilà, Alison et Margot qui font partie des Pop Home Girls de Magali, hein, de son groupe qui passe avant les combats, qui amène les boxeurs sur le ring et qui vont faire un beau show, je crois, pendant l'entracte, c'est bien. Allez, donc c'est parti, on va d'abord regarder un peu les meilleures images, un peu des premiers combats. Allez, je voudrais qu'on applaudisse ces deux champions, s'il vous plaît, il n'y a pas de décision. Mais... Je suis avec Anthony. Anthony, c'est vrai qu'on parle tout le temps des boxeurs, mais vous, en tant qu'arbitre, comment ça se passe? Il y a une préparation avant chaque gala ou avant chaque combat? Alors, au niveau des officiels, c'est vrai qu'il y a une petite préparation avant. Déjà se conditionner, connaître le plateau, quel boxeur, le niveau, les poids. Et selon ça, on peut placer l'équipe en fonction, mettre des arbitres plus ou moins expérimentés. Au niveau des jugements, pareil, bien relire les règlements pour tout avoir en tête et surtout ne pas faire d'erreur lors de la soirée. Ah oui, donc ça c'est une chose que je ne savais pas. Il y a vraiment une recherche sur les boxeurs que vous allez arbitrer alors? Alors oui et non, parce qu'on va dire c'est des boxeurs du circuit, donc ils sont relativement connus. Mais c'est vrai que si on a des grands poids lourds, on ne va pas mettre quelqu'un qui est petit, tout fin. On va essayer d'adapter la morphologie de l'arbitre aussi. Parce qu'il doit s'imposer sur le ring, donc il doit automatiquement se faire entendre. Il y a des combats où il faut donner plus de la voix, donc tout ça se prépare avant et c'est le rôle du superviseur justement de le faire. Et je ne vous mets pas le stress, mais c'est pas trop stressant parce qu'il y a quand même une pression, parce que c'est vrai que tout dépend quand même aussi de beaucoup des officiels. Alors c'est vrai que chaque événement est différent, chaque événement a sa petite pression. Après justement, comme je parlais du rôle du superviseur tout à l'heure, c'est le rôle de gérer le stress de l'équipe, de pouvoir faire décompresser tout le monde, de pouvoir avoir cette gestion, pouvoir être au top lors de la soirée tout à l'heure. Bon, merci beaucoup Anthony. Merci à vous. Avec donc Philippe Velg
Monsieur Canal+, un des Monsieur Canal+, hein, qui est présent ici donc à Château-Arnoux pour le Luna Boxing. Philippe, dites-moi, c'est un plaisir de venir un peu dans les Alpes de Haute-Provence ? Alors, c'est un plaisir d'abord de venir dans la région, parce que c'est une région que j'adore. Et en plus, c'est un plaisir de venir ici particulièrement. Vous savez, c'est simple, hein, quand je viens dans les salles de boxe comme ça ou dans les salles de sport de combat, franchement, c'est pas du boulot, quoi. C'est plutôt les vacances. C'est vrai que, bon, je sais pas si c'est pareil dans les grandes villes, mais ici, c'est, on va pas dire le terme familial, mais beaucoup de gens se connaissent, bon, déjà aussi dans le milieu de la boxe, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles, etc. Et ça se ressent, alors, c'est ça ? Mais dans tout le pied-point, ça se ressent. C'est une espèce de... C'est quand même une grande famille, la famille du pied-point. Je le dis souvent, ce sont des gens qui ont énormément de valeur, des gens qui ont beaucoup d'humilité parce que c'est un sport difficile. Voilà, c'est des gens qui ont beaucoup de qualité. Moi, je suis sans arrêt un peu émerveillé. Je suis un peu comme un enfant devant ces gens-là. Et puis, quelque part, j'ai coutume de dire que on ne mesure pas ce qu'ils sont capables de faire. Et finalement, ils sont pas tout à fait comme nous. Alors, ça tombe bien que vous parliez un peu de ça. Alors, vous avez essayé de ne pas trouver les mêmes mots, mais c'est vrai que, voilà, en parlant de Jean-Michel Aubert, qui est quand même au centre un peu de toute cette organisation, nous, on sait que c'est quelqu'un qui est très impliqué. Hein. Bon, on connaît un peu son histoire de famille. Il a sa femme, sa propre fille, qui porte le nom donc, de Luna. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Jean-Michel Aubert ? Allez. Alors, Jean-Michel Aubert, moi, je vais peut-être vous décevoir un petit peu parce que finalement, je ne peux pas en dire énormément de choses. On se croise comme ça de loin en loin dans les galas, comme avec beaucoup d'organisateurs finalement. Et comme moi, je voyage et que je passe de ville en ville, c'est vrai que c'est un peu difficile. Nous ne sommes pas vraiment intimes. Mais par contre, j'ai beaucoup d'affection et d'admiration pour tous ces organisateurs, aussi petits soient-ils. Qui mouille le maillot, qui dépense de l'énergie, du temps, qui s'implique pour organiser, pour mobiliser aussi leur environnement proche. Quand je parle de l'environnement proche, je ne parle pas que de la famille, je parle aussi de la ville, des élus. Voilà, toutes ces choses qui font que tous ces gars-là, entre autres dans le sud de la France, et en particulier dans cette région, mais pas que, puissent exister. Donc de toute façon, ce sont des gens assez merveilleux pour ça, voilà, qui à la fois transmettent et vivent leur passion. Et bah, ça, c'est toujours louable. Magnifique, bah, de jolis mots. Bah, je vous remercie, Philippe. Et je vous souhaite une bonne soirée aussi. Elle sera bonne. Et comme vous dire, amusez-vous bien aussi, parce qu'on est là pour s'amuser, pour profiter. Exactement, merci à vous. Les trophées pour ces deux champions, encore une fois, je voudrais qu'ils les applaudissent car il n'y a pas de décision. Encore une fois, les applaudissements pour tous les deux, s'il vous plaît. Maïssa Adib, Luna Aubert, deux grands champions. Fabien, voilà, donc comment toi tu te prépares dans les vestiaires avant le combat ? On se concentre, on se rappelle les consignes avec le coach, on a travaillé pour la préparation et tous les petits détails techniques qu'on a peaufinés tout au long de la préparation. Et après voilà, on y est, c'est le moment d'y aller. Comment tu t'aides à te concentrer ? Je vois que tu es entouré d'amis, je pense, ou de collègues. Tu as besoin d'être entouré ? Bon, on est toujours entouré, que ce soit à l'entraînement ou pour les combats, les mises de gants, tout le temps être entouré. Ça fait une bonne partie du boulot aussi de savoir qu'on est soutenu et que derrière, il n'y aura pas de pépins parce que le coach ou les amis ils sont là. Super, merci. Il n'y a pas de quoi, merci. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. The present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Yeah. And I said that I would never back down. And
And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. I swore that I would never fucking back down. Moi je me sens bien, la préparation a été faite, donc on verra ça le jour J, on a tout fait, on n'a rien laissé au hasard. Donc moi je le prends comme un combat comme un autre, va falloir faire le travail. C'est soit lui, soit moi, donc vaut mieux que ce soit lui. Quel état d'esprit on a quelques minutes avant le combat dans les vestiaires? Bon, on a un état d'esprit de gagnant, quoi. On veut aller, on s'est entraîné pour, donc on veut aller au combat le plus rapidement possible. Parce qu'il y a ce petit stress qui est là, donc on a hâte d'y être. On se prépare aussi physiquement, je vois que tu te masses. Ouais, je me mets de la crème chauffante, ou un peu de crème, quoi. Voilà, juste pour chauffer le muscle, se préparer avant de commencer les étirements, commencer à faire monter le cardio. Alors, on fait monter le cardio, mais c'est aussi un moment de grande concentration ou pas? Oui. Donc, on fait monter le cardio, on commence à ressentir un peu dans quel état on est. Et puis, entre les phases où on se calme, on se concentre sur soi-même. Merci, Baïkou. Bon combat. Merci beaucoup. Souleymane, c'est un moment particulier, le vestiaire. On sait, pour tous les boxeurs. Toi, comment tu gères ça? Je gère ça à la manière de tous les boxeurs ordinaires. On est là, on patiente, on attend que ce moment. On est concentré, on s'est entraîné, on sait qu'on est prêt. Et du coup, on n'a qu'une hâte. C'est comme si on vous donne rendez-vous et le temps découle. On voit les secondes passer, les minutes passer, on attend juste notre moment. Voilà. Et toi, comment tu te prépares dans ta tête? Parce qu'on a vu, il y en a certains, ils sont entourés, d'autres ont besoin de se mettre dans leur bulle. Toi, c'est comment? Alors moi, je sais qu'il y a le public qui me soutient. Beaucoup de gens qui sont venus, vu que nous, on est de Manos, qu'on est à 20 km d'ici. Du coup, on vient nous soutenir. Et on se motive tout seul, hein. Tout seul, ça vient instantanément et arrivé au moment magique, on se produira comme il le faudra. Merci Souleymane, écoute, bon combat. Merci à vous. What they do, and I don't care what they know.
J'ai été très très bien préparée cette année. Donc Jean-Michel m'a fait l'honneur de combattre au Luna Boxing et d'être prévenu très en avance. Donc du coup, j'ai fait une très très bonne prépa, que ce soit mentale ou physique. Donc je suis prête et j'attends mon adversaire. Juliette, toi aussi, dans les vestiaires, comment ça se passe quelques minutes avant un combat ? On est toujours très très concentré. On pense à tout ce qu'on a refait, ce qu'on a fait aux entraînements, toutes les techniques qu'on a vues. On pense à tout le monde qui nous a soutenus, nos coachs, tout le monde qui était là. Et puis après, on se dit il faut monter sur le ring, il faut y aller, il faut faire voir de quoi on est capable. C'est un moment où toi, tu essayes de faire le vide dans ta tête ou au contraire, il faut que ce soit zen, ça va entre vider la tête et être zen, mais quelle est ta technique ? En fait, j'essaie d'être dans ma bulle, c'est-à-dire déjà, je pose mon portable. Soit je mets mon casque pour mettre un peu de musique, je mets toujours la même musique. Et ouais, j'essaie vraiment de me concentrer, vraiment d'être dans ma bulle. Super, voilà. On va te laisser dans ta bulle. Alors, et bon combat, Juliette. Merci. Adam, comment toi tu te prépares quelques minutes avant le combat dans les vestiaires ? Quelle est ta manière de te préparer ? La préparation avant mon entrée sur le ring, ça revient à mes hommes de coin. J'essaye de faire le vide, de penser à rien d'autre, de me mettre dans ma bulle, de garder mon objectif en vue. Et voilà, après, de ne pas faire le combat trop avant. Oui. Voilà. Ouais, c'est vraiment un moment de se mettre vraiment à être dans la zénitude, non ? Voilà, c'est faire le vide, faire complètement le vide, penser à plus rien, repenser peut-être aux sacrifices qu'on a fait, pourquoi on est là, tous les sacrifices qu'on a pu faire pour en arriver là, que ce soit en termes de diète, de préparation, il y a des concessions à faire. Ok, allez, on va te laisser donc tranquille et bon combat. Merci.
J'ai un bon état d'esprit, j'ai une bonne préparation avec toute ma team, comme je l'ai dit tout à l'heure, Tariq, Lawari, Adam. Mon préparateur, c'est Christophe Ortiz. Après, plus en spécifique, Mohamed Amara, bien sûr. Voilà, sinon, je me sens bien. Je suis prêt à affronter ce combat vraiment à fond et tout donner. Là, on est avec Amar, qui en plus vient de loin, parce qu'il vient du Havre, hein, quand même. Il a traversé la France pour venir faire ce gala. Amar, là, qu'est-ce que tu es en train de faire, là, exactement ? Bah, elle est en train de me faire le bondage pro. Il faut qu'il soit bien serré pour être bien dans le gant. Comme ça, pour taper fort. Puis voilà. Alors, on voit, toi, par exemple, tu as les écouteurs. On a un peu demandé à d'autres collègues comment ils se préparaient dans le vestiaire quelques minutes avant le combat. Comment toi, tu te prépares ? Quelques minutes avant le combat ? Il faut que je parle avec personne. Il faut que je sois vraiment concentré. Mais là, j'ai encore du temps. Là. Du coup, j'écoute un peu ma musique. Voilà, tranquille, j'ai le temps encore. Mais après, quelques minutes avant le combat, je serai vraiment tout seul. Tu t'isoles vraiment ? Voilà, tout seul. Pendant 10 minutes, je parle avec personne et voilà, on monte sur le ring et on arrache tout. Allez Amar, bah écoute, bon combat. Merci beaucoup, c'est gentil. Un esprit confiant, on a fait une grosse préparation avec Jean-Mi, donc comme d'habitude j'espère faire un bon show au Luna. Bon, c'est un événement qui m'a quasiment toujours réussi hormis une fois où je me suis blessé, donc comme chaque année on va faire le spectacle et on va faire le travail et on va régaler le public.
Bah, comme les autres, comme dit mon collègue Lawari Ben Mohamed, qui va boxer à la même soirée, donc de mon club. En s'entraînant, footing, leçon, sac, fractionné, piste, sparring. Là, il y a une pression supplémentaire parce que du coup, je boxe à la fin. C'est un honneur pour moi. Et je boxe en quelque sorte à domicile parce que Sisteron, pour moi, c'est un peu comme chez moi. Donc voilà, en préparation, on est pas mal. J'ai fait mon premier combat pro la semaine dernière. Donc j'ai pu abréger au premier round face à un très bon adversaire. Donc là, je connais pas trop mon adversaire. On va faire le taf comme d'habitude et je me suis préparé et on va tout donner. Baby, do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy. Lately, everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is naked, man I really hate it. God I really hate it, I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real time. Talk about the real climb, passionate and real rhyme. Steal time back from my 9 to 5. Taking back my fucking life. I just wanna feel alive. And I'm the one to get it, bro. I swear to God, I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. Fake it till I make it, motherfucking take it back from these haters, playing tracks for the traitors, got the passion in depth when it happens, factions take actions, drafting their captains, it's happening, I'm raising my status, facing the madness, I'm out gaining traction, avoid the distractions, I'm snapping, no captions, attracting reactions, adapting, attacking, commanding the masses, I'm practicing habits, I don't fucking ask it, I just fucking grab it, I am never static, massively active, expanding, bachelor, planning to have it, so I will go capture it, and I'ma stay after it, I'm gonna fucking master it, put them on blast it, they will never last it, don't be so dramatic. Tariq, alors on va dire un premier et unique round incroyable. Comment tu t'es senti dès le départ? Stressé. Stressé parce que voilà, boxe en dernier c'est pas rien. J'étais en quelque sorte le combat à vedette. Donc moi mon but c'était vraiment de me donner à 100% et de faire une belle prestation. Et de mériter cette place de main event. Alors on a vu, c'était vraiment très technique. Qu'est-ce que tu as pensé de ton adversaire? Bah comme j'ai dit tout à l'heure, rugueux, costaud, il était quand même plus affûté que moi, dur au mal, propre, et on avait tous les deux quelque chose à prouver. Alors tu parles de propre, on va dire que c'est ta carrière qui est propre et nette, hein, on va dire. Hein. C'est carré, c'est net. On essaie de garder le fil au maximum et ça me motive à aller encore plus loin. En tout cas, merci. Tu as conclu ce Luna Boxing numéro 13 d'une façon assez incroyable. On a tous été ébahis. En tout cas, je te remercie, Tariq. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. J'attrape au vol Jean-Marc Audou, ancien champion aussi de Full Contact, élève de Jean-Michel Aubert. Alors, Jean-Marc, quelques petits ressentis de certains combats. Lesquels t'ont vraiment impressionné ce soir? Le dernier forcément parce qu'il y a un gros chaos. Après c'est Lauri Ben Ahmed qui a fait un contre l'Italien Viconti là, qui a fait un combat impressionnant, vraiment de technique, de puissance, de voilà. C'était vraiment. Après c'est plus globalement c'est la soirée qui est toujours magnifique. C'est la 13e édition. Moi j'ai connu les premières éditions, déjà c'était génial. Et voilà, c'est juste pour encore un petit peu appuyer sur Jean-Michel, sur la famille Aubert plus générale, sur l'organisation qu'ils arrivent à faire, sur les rencontres à Saint-Auban, à Sisteron qu'ils arrivent à faire, sur les clubs, sur la vie qu'ils arrivent à faire sur notre région. Et voilà, c'est vraiment pour appuyer sur ce côté-là qui est exceptionnel. Voilà. Donc merci Jean-Michel et voilà, pour que ça dure. Deuxième édition. Ouais, beaucoup de monde d'ailleurs. Hein, énormément de monde, à chaque fois, parce que des spectacles comme ça, je ne sais pas si chaque personne ressent vraiment, mais c'est vraiment un très 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 beau gala. Ah bah attends, regarde, derrière nous il y a JP Arthur. Reste avec nous Jean-Marc, non reste avec nous. Qu'est-ce JP. Alors, on était en train de faire le point sur les combats qui nous ont impressionnés. Comment tu as passé ta soirée toi?
On t'a vu sur le ring, bien sûr, mais comment tu l'as ressenti? Mais moi, mon regard, on s'en fout de moi, façon de parler, mais non, les combats étaient bons. Le chaos de fin avec Tarek, nous, on est habitué à le voir, mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant quand il fait des chaos pareils. Mais en plus, pour lui, c'est presque une obligation d'en faire. Donc là, on est au 24e combat, encore gagné avec un chaos encore une fois. Terrible. Après, il y a des combats où les gens ont tendance un peu à rouspéter sous les décisions, mais c'est un peu logique. Moi, on va se dire, c'est pas pour les défendre, mais c'est très compliqué d'être arbitre. Alors, c'est vrai qu'il y a les décisions parce qu'on aime ou on n'aime pas tel boxeur ou on préfère tel boxeur, mais il y a quand même un truc où c'est eux, les pros, ils voient des choses que nous, des fois, on ne voit pas. Même moi, des fois, je me donnerais un avis complètement différent. Donc, c'est le sport, il y a deux boxeurs, deux boxeuses, il faut être deux pour faire un combat. Ils ont fait le spectacle ce soir, je pense, du début à la fin. Et le but, c'est ça. On a rempli une salle, tout le monde était ravi. Et évidemment, l'année prochaine. On a parlé d'un Italien qui était assez impressionnant. On en parlait impressionnant, quand même. Un taureau, comme j'ai entendu dire. Enfin, apparemment, c'est un gars qui me ressemble énormément physiquement. C'est un sosie. Un sosie. Bon, après, il a pas un petit frère. Il a pas de lunettes, il porte pas la moustache, mais... Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais sinon, esthétiquement et physiquement, on est pareil. Bon, non, sérieusement, c'est les athlètes. Ils ont des trucs, souvent, quand on les regarde, ils ont même des muscles qu'on ne sait même pas qu'ils existent. Il y a des muscles dans le dos qui ressortent. Et lui, il faisait partie vraiment des... Et toi, les boxeurs... 20 ans, ce jeune. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont jeunes. Et en plus, pour une courte carrière actuellement, avec un palmarès incroyable, ça promet de belles choses pour l'avenir. C'est ça. Alors, quand ils ont des palmarès, quand j'annonce des fois des 50 combats, on parle souvent des combats amateurs et des combats pros qui sont mis ensemble. Mais ils les ont quand même fait. Voilà. Après, quand on y est un truc, c'est à rajouter. Les boxeurs et les boxeuses sont de plus en plus beaux actuellement. Ils sont plus marqués et tout, ils sont playboy. Et c'est ce qui fait l'image de la télé et l'image que ça plaît à tout le monde. Il n'y a pas si longtemps, on en avait encore des playboys, hein, comme Jean-Marc Audou. Il y a deux playboys à côté de moi. Voilà, moi, c'était un plaisir en tous les cas. En tout cas, merci JP, merci Jean-Marc. Allez, on va les retrouver. On va retrouver Jean-Michel. Je pense que là, il doit être bien. Il doit être bien, là, Jean-Michel. Allez, on va aller le voir. Avant de conclure justement ce beau Luna Boxing numéro 13, Marlon, un peu ton combat. Alors, c'était un combat vraiment... c'était limite. Comment ça s'est passé pour toi déjà dans ta tête? C'est vrai que c'était un combat assez relevé. Donc j'essayais de finir le travail, de finir les enchaînements. Et ça a payé et les juges ont décidé que j'ai gagné. Donc c'est super pour moi et super pour la team. C'est vrai qu'au premier round, on a senti que ça, c'était limite. Et d'un coup, à partir du deuxième, tu t'es réveillé et tu as enchaîné ce qu'il fallait enchaîner. Quoi. Ouais, premier round, j'étais un petit peu... Je suis pas bien rentré dedans. Mais après, j'ai essayé de remonter crescendo justement pour essayer de remporter cette victoire et de ramener cette victoire ici pour le team. C'est vrai qu'en plus, ton adversaire, je pense qu'il fallait pas rigoler avec et il était quand même assez impressionnant quand même. Ouais, pour son jeune âge, il était vraiment coriace. Il était coriace. La technique aussi, c'était un très beau combattant et une belle confrontation. Alors en tout cas, voilà, toi aussi, tu nous as fait aussi un beau spectacle, Marlon. On te remercie. Magali, bon, toujours magnifique, hein, ce passage. En plus, on a vu avec pour le dernier combat, avec un peu de feu et tout. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Écoutez, on a eu un bon rendu, on est assez content de l'ensemble, des choses. On a eu de bons retours. On essaie chaque fois de s'améliorer de plus en plus et de corriger tous les défauts. On veut vraiment faire quelque chose. Alors parfait, ça n'existe pas, mais chaque année on essaie d'évoluer. Voilà. Apparemment, on a mis des petites touches en plus au niveau chaud. Les boxeurs, franchement, il n'y a rien à dire. Il y a des combats qui ont été très percutants, d'autres très équilibrés. Vraiment, les gens ils ont vraiment apprécié l'ensemble, je pense. Voilà, on va attendre un petit peu, laisser un peu décanter, attendre plusieurs jours pour voir un petit peu, voilà, au niveau après des échos, ce qui va se dire. C'est vrai qu'il y a eu des combats assez incroyables, hein, c'est de surprise en surprise, en plus avec des combats internationaux. Jean-Michel, un mot pour conclure un peu ce Luna Boxing numéro 13. Voilà, donc juste avant de laisser partir Marlon, je voudrais dire que je le remercie et je voudrais dire qu'il faut simplement qu'il prenne confiance en lui parce qu'il donne toujours du 1-2 et qu'il recule. C'est ce qu'il a fait le premier round est pris par son adversaire, il prend le 2, il prend le 3, il n'y a pas matière à discussion. Il faut simplement qu'il branche la marche avant une fois qu'il a branché la marche avant et qu'il reste. Merci Jean-Mi, et c'était une super édition du Luna Boxing, et voilà. Merci Marlon, on va te laisser y aller, et on se retrouve donc avec, là, je peux même pas dire petite famille, c'est une grande famille, la famille Aubert, parce qu'il y a effectivement vous trois, mais on voit qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, et franchement c'est vrai qu'à chaque fois qu'on vient assister au Luna Boxing, c'est vraiment un spectacle, enfin,
extraordinaire. Et là, cette année, on a été bluffé. Et c'est vrai que, un petit mot personnel, on regrette qu'il n'y ait pas plus de médias locaux. Franchement, c'est ça, c'est quelque chose qui est vraiment dommage dans la région. Voilà, mais bon, bref, il y a Canal+ qui était là, qui a pris les images pour eux jusqu'à pendant quelques jours, après nous les donne. Mais ceci dit, Jean-Michel, allez, qu'est-ce que tu en as pensé de cette belle, de ce beau gala? Ben moi, écoute, j'essaye de faire perdurer ce gala. Je suis content, évidemment. Ben, évidemment, c'est grâce à des gens comme Magali qui fait toute la partie spectacle à côté. Et du coup, ça rend d'autant plus attrayant la soirée. Ça aussi décrassalise un peu la soirée avec un peu du show à côté avec la boxe. Comme ça, ça dédramatise la discipline en elle-même. Et voilà, donc après, ben, il faut essayer de continuer comme ça. Donc on se donne rendez-vous pour le Luna numéro 14. Oui, c'est ça. En attendant, on se donne rendez-vous pour une date, c'est le 11 janvier, le premier Gap Boxing Event à Gap, au gymnase La Faille. Luna, allez, je finissais souvent comme ça. Trois petits mots. Pour conclure, Je vais remercier tout le public qui est venu nombreux et en masse, et tous les sponsors qui ont été partenaires pour cette édition. Voilà, ils sont fidèles chaque année, et c'est ce qu'il nous faut, parce que c'est pas facile d'organiser un tel événement. Et voilà, et merci beaucoup, et rendez-vous à Gap le 11 janvier pour un gros gala aussi. Et Luna, qui elle aussi est de tous les côtés, parce qu'elle a boxé, elle a dansé. Et on l'a vu s'occuper de plein de choses aussi, comme la mère et comme vous trois. En tout cas, merci beaucoup, et on vous donne rendez-vous donc en janvier, mais aussi l'année prochaine. Merci beaucoup.